Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la transition de la maison vers l'automne avec pas mal de petites choses déco. J'espère que ça vous plaira. Donc la première chose que j'ai faite, je pense que c'était en août, j'ai pris la couronne que j'avais trouvée en vide-grenier. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais dû vous la montrer. J'avais trouvé dans une vide-grenier une couronne comme ça, je l'avais suspendue au-dessus de la cheminée en attendant. Je m'étais dit que je ferais une couronne un peu d'été, puis finalement l'été est passé, j'ai pas du tout eu le temps. Du coup c'était un peu moche quand même, suspendue là comme ça tout seul. Et j'avais acheté pendant, c'était début août, parce qu'en fait aux États-Unis la rentrée des enfants c'est le 10 août, c'est hyper tôt. Mais du coup les gens voient ça un peu comme la fin de l'été et il y a déjà beaucoup de déco d'automne dans les magasins à cette époque, en plus des fournitures scolaires qui sont même là du coup en juillet et août quoi. Bon vous allez me dire ça c'est de plus en plus le cas en France aussi. Et là je vous avais filmé des clips où j'étais en train de faire ma couronne, alors malheureusement le son n'a pas pris donc je vous fais une voix off par dessus, mais si vous me voyez parler toute seule... C'est... Alors ça m'arrive de parler toute seule très souvent, mais là c'était pas le cas. Et voilà, j'avais acheté du coup des... comme des petites branches comme ça, avec des fausses feuilles d'automne. Et j'ai décidé de les enrouler autour tout simplement. On a un pistolet à colle là, mon mari, quand il a acheté des outils auprès d'un particulier, quand on est arrivé de la même marque, il a aussi acheté un pistolet à colle qui fonctionne en fait avec ses batteries. Donc c'est cool parce que alors moi, en tant que prof, j'ai souvent l'habitude de l'utiliser, donc là ça allait parfaitement. J'ai enroulé ça tout autour. Avec une partie avec Loulou aussi, puisque il fait de moins en moins de sieste là, en ce moment. Et j'avais aussi acheté des fausses, on va dire, ça ressemble un peu à des chrysanthèmes, des asters, ouais. Un petit peu crème pour changer un petit peu et faire un petit mélange de couleurs pour que ça ressorte un petit peu. Je suis bien contente. Alors c'est pas une couronne. Au début je m'étais dit je vais la mettre en intérieur au-dessus de la cheminée. Et en fait. Je trouve qu'elle fait un peu fake, quoi. En même temps, c'est normal, c'est des fausses fleurs. On a fait ça. Je voulais que ça dure. Et puis, les fleurs séchées, ça coûte quand même assez cher. Vous allez me dire en France aussi, des fleurs séchées de qualité. Donc, je verrai peut-être à la fin de la saison s'il y a des prix, des soldes pour l'an prochain, pour avoir une jolie couronne de fleurs séchées ou avec des fleurs un peu stabilisées de qualité pour éventuellement une déco à l'intérieur de la maison. Pour la fin de l'automne et puis surtout pour l'année prochaine. Mais voilà, tout ça, ça prend du temps de collecter des jolies pièces, etc. En rentrant, j'ai coupé un petit peu les feuilles vertes qui étaient en fait sur les fausses chrysanthèmes parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de vert, parce qu'en automne, il y a quand même du vert aussi. C'était beaucoup des tons crème, dans les orangés, dans les marrons. Et je les ai collés un petit peu aussi là, dans différents endroits de la couronne. Mais ça rend plutôt bien et du coup je l'ai mise sur la porte d'entrée de la maison quand les gens arrivent. Vous allez voir, je vais vous montrer juste après. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, bon temps de bonne météo d'automne. Donc nous sommes mi-septembre. J'ai décidé de ressortir les décos de l'automne maintenant que l'anniversaire de Louis est passé, qui était début septembre. On avait du monde à la maison donc je voulais pas tout décoré en mode automne, même si l'entrée du coup j'avais déjà un petit peu commencé. Il n'y a pas encore les plantations d'automne, mais ça va venir bientôt, j'espère dans les jours qui suivent, et j'espère pouvoir vous mettre ça dans la vidéo. Bon, déjà les décos, alors je vais vous montrer ce que j'avais emporté de l'an passé. Alors ça, je l'avais acheté l'an passé ici, quand on était à l'automne ici, pour faire Halloween. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais mettre en place que les décos d'automne, enfin les petites choses d'automne. J'ai 2-3 petits trucs d'Halloween, mais je pense que je le ferai ça plutôt la semaine d'Halloween. Déjà que Louis est pas hyper fan, il a un petit peu peur, parce que les gens ici ne rigolent pas avec Halloween. Les trucs sont un peu friands. Bref, ça je l'avais acheté au Sœur Graine l'an passé à Noël, et je trouve que ça fait bien automnal, donc ça fait partie des trucs que j'avais emmenés. Quelques petites citrouilles aussi que j'avais achetées, ma jolie guirlande de citrouilles. Et c'est détaché celle-là. Ça faisait partie du lot de 3 là que j'aimais bien. Donc celle-là, je pense qu'elles vont peut-être aller sur la cheminée, on va voir. Donc ça sera pour après. Ah oui, j'ai ressorti mon quilt de Noël parce que j'ai ressorti les cartons de déco. Mais en fait, ça, c'est
C'est parce que je vais dans un club de quilt, de patchwork la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Et du coup, je vais mettre de côté tout ce que j'ai fait pour montrer où j'en suis dans ma passion du patchwork. Donc ça, c'est les choses de l'an passé. J'ai aussi ma petite collection de livres que j'ai ressortie pour Louis. J'essaie de faire une rotation suivant les saisons au niveau de la lecture. Donc j'ai celui-là que j'adore, Goodbye Summer, Hello Autumn. Il existe dans plusieurs saisons, genre Goodbye Autumn, Hello Winter, etc. etc. Il est vraiment très très beau. Si vous intéresse, je crois pas qu'il a été traduit, mais si vous intéresse en anglais, parce que du coup ça permet de travailler le vocabulaire de chaque saison, c'est super. Je vous le mettrai en barre d'infos si il me semble qu'il y était, que je l'avais trouvé en livraison en France. Celui-là que j'adore, Cache-Cache Petit Fantôme. Celui-là, je le lis à Louis depuis. Ah bah peut-être pas Petit Fantôme, mais la collection des Cache-Cache, je les adore. C'est vraiment pour travailler la notion de permanence de l'objet. C'est ce qu'on fait déjà avec les bébés en jouant à coucou caché. C'est une superbe collection, donc c'est de chez Nathan. Et c'est vrai qu'en plus, celui-là, il est assez rapide. Et comme je lis des livres à Louis depuis qu'il a 2-3 mois, je crois, ça faisait partie du rituel avant la sieste, on lisait un petit livre, etc. Alors évidemment qu'à 2-3 mois, ils ne comprennent pas l'histoire. Mais déjà, ils comprennent le rituel de ce qu'est un livre, comment on le lit de gauche à droite, on tourne les pages, il y a des images. Maman, elle lit quelque chose, maman ou papa, bien sûr, lit quelque chose qui reste toujours, un texte qui est toujours le même, qui est figé. On n'invente pas, en fait, on lit ce qui est écrit. Enfin, c'est tout un rituel comme ça qui est sympa de commencer assez tôt, parce qu'après, quelques mois plus tard, au début, ils suivent pas trop, ou ils regardent vaguement, ils prennent juste ça pour un moment tranquille, au calme, en duo, soit avec papa, soit avec maman, avant la sieste, donc ça crée un petit rituel. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, ils comprennent qu'en fait, c'est un moment effectivement privilégié où on regarde en fait le livre, on se concentre un tout petit peu, enfin bref, ça vient au fur et à mesure, mais faut faire ça régulièrement. Et cette collection, je les adore. J'ai celui-là, Apples and Pumpkins, celui-là aussi je suis pas sûre qu'il soit en français. Celui-là on l'avait acheté l'an passé dans une vente de livres d'occasion à la bibliothèque. Donc là c'est juste les lettres de l'alphabet avec à chaque fois un mot qui va avec. Pareil, je suis pas sûre que ce soit en français. Et lui c'est le petit nouveau cette année, Little Acorns, le petit gland. Donc alors lui peut-être pour un peu plus grand, pareil. Il est que en anglais, mais voilà, ça raconte la germination, à quoi servent les glands des chênes, leur germination. C'est cool maintenant qu'il a 3 ans, il commence un peu à comprendre. Il est vraiment très très beau, j'adore les illustrations. Donc ça, je voulais mettre ça dans sa bibliothèque, sauf que sa bibliothèque, elle n'est pas étagée. Donc je me dis peut-être que je vais mettre, alors vous voyez ici, là, il y a des petites cartes, toutes ces cartes d'anniversaire. Peut-être que je vais mettre la sélection lecture du mois. Quand ça sera Noël aussi, je switcherai, puis je mettrai les CD de Noël ici, sur cette petite étagère qu'on avait trouvée pour 4$, je crois, et qu'on lui a mis au-dessus de sa caisse à jouets. Je vais voir. Ça sera joli, ça sera dans la déco. Et enfin, je vais vous montrer maintenant tous les trucs neufs que j'ai achetés cette année. Alors d'abord, j'ai trouvé deux jolis coussins que j'ai... Alors j'hésite à les mettre ici, là-bas. Mais comme on est vraiment sur des tons un peu... je sais pas trop comment en décrire. Un peu froid quand même, parce qu'il y a pas mal de violet. Je suis pas sûre, sinon ça s'aillera dans les... sur le canapé qui se trouve là-bas. Et ensuite, j'ai tout un panier de petites choses que j'ai trouvées au début du mois, non ? Fin août, chez The Dollar Store, donc là, là il y avait la tante de Louis qui lui avait fait une jolie, elle travaille avec des enfants, elle lui avait fait une jolie jack-o'-lantern, donc pareil je lui mettrai la semaine d'Halloween. J'ai trouvé des petites serviettes avec des jolis carreaux et puis des petites citrouilles, donc ça je vais les laver et les mettre en place sur la nappe. Et le reste, ouais, c'est tout du dollar store, donc c'est à peu près 1$ chacun, donc j'ai pas réussi à résister. J'ai acheté pas mal de choses, j'étais tellement contente de pouvoir être là, en fait, d'être enfin chez nous, en fait, pour l'automne. Parce que l'an passé, j'avais acheté quelques petites décos, mais en fait, on était à la fois ici et à la fois encore à Lyon, c'était un peu, ouais. Première chose que j'ai acheté, c'est cette petite pancarte. J'ai envie de la mettre au-dessus de la cheminée. Et à la fois, j'hésite à mettre la petite... couronne là de pommes de pin, même si elle est un peu petite, donc elle va peut-être faire chétive sur ce gros mur, on verra. J'ai acheté des petites choses que je vais pouvoir planter dans l'entrée
dans les pots. Harvest blessing, donc la récolte blessing, c'est dur de traduire pour moi. Trop bien. Donc là, peut-être celui-là dans l'entrée de la maison à suspendre. Alors, vous avez vu du coup ma jolie couronne d'automne qu'on a faite avec Louis. Mais sur le côté de la maison, dessous la boîte aux lettres, j'ai quelques petits crochets. Celui-là, ça sera pour l'intérieur de la maison, peut-être suspendu dans la cuisine. Donc la recette de du cidre de pomme. Trop joli. Ça aussi, j'ai payé, je crois, 1 ou 2 $. Il y avait, alors ça, j'ai trouvé dans un autre magasin, une jolie guirlande d'Halloween. Ça, c'est pareil, je vais y laisser pour la semaine d'Halloween. Je vais pas la mettre toute la saison. J'ai trouvé des petits nains de jardin aux couleurs de l'automne que je vais... Ah oui, alors il y en a aussi aux couleurs de... Oh si, c'est l'automne aussi. Bon, ils font un peu plus Noël. Je me suis dit que j'allais les planter aussi dans les pots de l'entrée de la maison. Des petites décos à poser. Donc, thankful. Donc, ça, c'est pour la semaine de Thanksgiving. Donc, c'est la gratitude. Sur un petit acorn. Donc là, sur les petites étagères ici ou sur mon buffet. Un autre ici. Hello, fall. Ensuite, ça sera pour une activité avec Loulou. Donc, soit sur ses fenêtres, soit sur les fenêtres de la baie vitrée. Un jour de pluie ou un jour de contraction. Une petite... Alors, on dirait un truc pour le sapin de Noël, mais en fait, je vais le faire suspendre, je sais pas encore où. Trop choupi. Des petites citrouilles en plus. Et un tissu un peu écossais, là. Trop rigolo. J'en ai plus. Comme ça. Ah, j'en ai un autre, tiens. J'en avais acheté deux. Là aussi, il y a des petits ornements. On dirait des trucs de sapin de Noël. Où je vais les faire suspendre encore, on va regarder ça ensemble. Une petite, alors elle, je vais la mettre vers la cuisine, je crois, ou en suspension, dans mon tête là-dedans, puisqu'elle, celle-là, elle casse. Petite citrouille. Et c'est tout. Mais c'est énorme déjà. C'est énorme. C'est énorme parce que dans l'appartement, là où on était à Lyon, je décorais pour Noël, mais déjà à la fin du mois de décembre, je trouvais que c'était trop chargé, j'avais envie de moins de bazar. Et même si je ne suis pas du tout minimaliste, il y a eu un vrai tournant l'an passé lorsque voilà, mon mari était aux États-Unis, moi j'étais tout seul avec Louis, où j'avais l'impression vraiment que la vie était un petit peu quand même chaotique dans mon esprit, même si on était voilà, en bonne santé, pas en danger, etc. Rien de très 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 grave, juste par contre dans mon esprit tout était un peu... ça allait un peu plus le boulot. Du coup cette année je me suis rendu compte que j'avais besoin que ça soit un peu fluide. Et puis surtout, on était dans un appartement qui était, somme toute, vraiment, pour moi, très grand. Mais c'est vrai que quand on compare à une maison, on a plus d'espace, etc. Et ben en fait, tout est vite un peu surchargé, quoi. Et du coup, j'avais décoré un peu à l'automne lorsqu'on était rentrés, mais pas non plus de folie. Et donc cette année, c'est vrai que j'ai eu envie vraiment de me faire plaisir et je suis un petit peu allée loin. Mais il y a des petites choses que je vais mettre aussi dans ma chambre et dans la chambre de Louis. Voilà, et comme il y a 2 salons là, et puis qu'il y a des choses qui vont aussi aller à l'entrée de la maison, à l'extérieur, je me dis que ça va pas faire trop chargé. À Noël aussi, je pense que je vais bien me faire plaisir. Le mois de décembre, ça va être un mois où je pense qu'on va être beaucoup à l'intérieur. C'est même pas une question de météo ou autre, parce qu'en Californie, il fait plutôt beau. Vraiment, il y a une qualité de vie en termes de si vous aimez être à l'extérieur qui est assez énorme, puisque voilà, il fait vraiment très bon toute l'année. Même s'il fait un peu frais l'hiver, mais le matin, si on est à 0, l'après-midi, on est déjà à 10-15 en plein décembre. Donc c'est vrai que pour faire des activités l'après-midi, c'est quand même hyper agréable, hyper confortable. Mais comme c'est le mois où notre fille va arriver, je pense que ce premier mois, ce qu'on appelle le mois d'or, et les mois qui suivent aussi, ce qu'on appelle aussi le 4e trimestre, vont être beaucoup de cocooning à la maison, etc. Plus en plus, ça sera l'hiver, donc voilà, ça sera pas plus mal. Donc clairement, je pense qu'en décembre, au niveau de la déco de Noël, ça va être... Je vais me faire plaisir aussi. Donc, je commence, maintenant que j'ai encore un petit peu d'énergie. Pour ceux qui n'ont pas vu sur Instagram, qui ne me suivent pas, j'ai trouvé une petite tasse là, avec les pichignons, comme disait mon neveu quand il était... plus jeune et qui dit plus maintenant parce qu'il est grand maintenant, mais ça c'est mes marqués à vie, ce souvenir. Pour mon thé, trop belle. Et j'ai aussi ressorti mon mug citrouille que j'avais acheté l'an passé chez Anthropologie. Il y a une boutique en ligne Anthropologie Europe, peut-être qu'elle y est encore, parce que j'ai vu qu'il y a des collections qui ressortent. Je suis pas allée en magasin cette année parce que je me suis dit que la tentation serait trop grande et en plus c'est pas d'autres, enfin c'est pas comme le Dollar Store, quoi, tout à 1 €, c'est l'équivalent de tout à 1 €, etc. Donc c'est sûr que c'est pas du tout le même budget. Mais... Et puis j'ai plein de jolies choses déjà que j'ai gardées de l'an passé, donc j'avais pas besoin de racheter encore des trucs hyper chers. Enfin, hyper chers, moins abordables, on va dire ça comme ça.
Et du coup, ça va me libérer ce panier que je vais placer près de la cheminée et où je vais mettre pour le moment des petits plaids cosy. Et puis cet hiver, on achètera quelques petites bûches de bois puisque la cheminée fonctionne. Alors on ne l'utilise pas tous les jours. Puis alors en plus, il y a des journées où c'est interdit à cause de la pollution atmosphérique, normale. Et du coup, c'est assez anecdotique, mais je me dis que cet hiver avec Béné, tout ça, on sera bien content. De faire de temps en temps un petit feu, l'activité de l'après-midi. Voilà, c'est parti. Donc voilà pour les petites décos. J'ai rapproché les hortensias là, parce que je pense que là, il y aura des petites pumpkins, des petites citrouilles, lorsqu'on aura fait notre sortie annuelle à une... Ça s'appelle ça une ferme des citrouilles. Bref, pumpkin patch. On aura peut-être une ici aussi. J'aimerais bien mettre un bouquet de fleurs séchées là dans l'arrosoir parce que finalement, comme il y a un tuyau ici, je m'en sers assez peu, même s'il n'est pas très grand le tuyau. On verra si j'en trouve des abordables. Et puis là, j'ai mis les petits nains de jardin là et la petite pancarte. Sachant que on a encore, c'est bien une vraie transition parce que les rhododendrons et les azalées ne sont pas encore en fleurs. On a encore des fleurs d'été, donc impatience, célosie, on ne va pas passer l'hiver, ça c'est sûr. Le caladium, emblème de l'été. Bacopa, pas sûr qu'elle passe l'hiver. Et du coup ici c'est là où j'installerai mes petites jardinières d'automne quand je les aurai faites, avec chrysanthèmes, etc. Enfin plein de petites choses que je vais vous montrer sur la chaîne. Du coup voilà, c'est encore la transition, mais c'est bien. Et puis avec notre jolie couronne. Donc après, j'ai décidé de mettre au-dessus de la cheminée la petite pancarte Pumpkin Patch, donc la ferme de citrouilles. Et j'ai voulu mettre ma guirlande de citrouilles ici. Vous allez voir, à la fin, j'ai changé d'avis. Je n'étais pas hyper fan. Sur la petite entrée, le petit meuble d'entrée, j'ai mis des petites choses aussi, des petites citrouilles. Et sur le porte-manteau de l'entrée aussi. Là, j'ai fait assez sobre. J'en ai placé aussi sur la petite étagère et quelques jours plus tard, parce qu'entre temps j'ai cassé ma caméra, donc mon mari a dû la réparer tout seul comme un grand. Et ben j'ai trouvé des petites citrouilles, donc j'ai vu parfaire la déco. Bon, avec les cosmos d'été ça jure un peu, mais bon, je profite encore des cosmos au jardin. Là j'ai mis ma petite affiche dans la cuisine. Ici j'avais une bouilloire en cuivre que ma belle-mère m'avait donnée quand on avait emménagé. Je l'avais oubliée, je l'avais mis dans un carton. Et en fait, parce que j'avais pas encore au début cette jolie armoire, donc là je l'ai ressortie, ça va bien dans le thème. Et là, vous voyez, finalement, j'ai décidé de mettre la guirlande de citrouille ici, mais c'est pas le top. Je sais pas où la mettre, en fait. Mais j'ai pas réussi à me résoudre à enlever ma jolie guirlande de fagnon, que j'aime trop, en fait. Donc voilà, donc il faudrait une autre guirlande de fagnon aux couleurs de l'automne. Avec lui, on a fait des petits stickers, vous savez, c'est ces trucs là un peu en gélatine là, que j'achète chaque saison. Bon voilà, ça fait une occupation quand il fait moche dehors, ou bien là, c'est un jour pollution de l'air, donc ça allait parfaitement bien. Avec les sunflowers, comme ils disent, il y en avait plein, donc ça matchait avec le derrière. Et puis j'ai mis les petits livres de la bibliothèque de Louis avec les petits nains de jardin là, où il me dit toujours on voit pas leurs yeux, ça le choque. J'essaie de lui expliquer que c'est à cause du bonnet, mais bon. Voilà, ça lui fait son petit coin automnal, c'est cool, dans sa bibliothèque. Et là, bon, je me suis fait plaisir, j'ai acheté des pousse-mousses de l'automne. J'ai remplacé nos jolies serviettes en tissu par celles d'automne. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de commencer les jardinières d'automne. Et je remercie Gaëtan Ramage pour cette jolie outro d'automne.